Hello everyone. Je voulais parler d'un verset peut-être que tu vous avez déjà lu. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Mes chers amis, plus tu es humble avec Dieu, plus Dieu t'ajoute la sagesse, l'intelligence et l'onction se multiplient en toi. Plus tu deviens orgueilleux, plus tu diminues, plus tu deviens faible dans la présence de Dieu. Et Dieu a aussi ses problèmes. Il cherche qui va parler de Jésus aux autres. Et pendant que toi, tu es là pour chercher seulement, Dieu, fais-moi ceci, je veux ceci, j'ai besoin de cela, je veux être grand. Mais est-ce que as-tu demandé ces questions si tu te soucies aussi des problèmes de Dieu? Parce que Dieu cherche aussi par qui il peut se montrer sa gloire. Mes chers amis, comme je vous ai dit, Dieu aussi a ses problèmes. Dieu cherche qui va parler aux jeunes gens que Jésus sauve, Jésus est la lumière, Jésus est la vie. Venez à lui, vous ne serez jamais déçus. À ce moment-là, toi, tu cherches. Dieu, donne-moi la voiture. Dieu, donne-moi une belle maison. Dieu aussi a ses problèmes. Il ne peut pas arrêter ses problèmes qui est prioritaire que le vôtre. Et aujourd'hui, il vient vous demander de se soucier de lui. De chercher d'abord à résoudre le problème de Dieu. Et Dieu va résoudre vos problèmes après. C'est comme Anne. Anne cherchait enfant pour lui, pour prouver à Péninnaké. Il peut aussi enfanter. Mais or, dans le plan de Dieu, Dieu cherchait un prophète. Alléluia. Et jusqu'au point où elle a compris que ce n'est pas l'enfant que je cherche, c'est un serviteur qui sera consacré pour Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu a résolu. Comme je disais, lorsque Anne a compris que je vais d'abord chercher à résoudre le problème de Dieu, et Dieu a résolu son problème à elle, qui était un enfant consacré, Samuel, serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, mets un point pour commencer d'abord à résoudre le problème de Dieu. C'est comme aussi Marie. Marie était la porte pour que Dieu puisse se manifester au monde, afin que Jésus-Christ vienne par Marie, afin que nous soyons sauvés. Jésus-Christ cherche une personne qui peut se soucier de ses problèmes à lui, afin que Dieu aille à côté de nous pour résoudre les problèmes qui nous semblent difficiles. Commence d'abord, premièrement, à résoudre le problème de Dieu. Et Dieu entrera dans ta situation pour te donner la solution à toutes, je dis bien à tous tes problèmes, sans exception. Que Dieu vous bénisse. God loves.